Notre thème de ce matin s'intitule « L'Esprit de Dieu a élevé et rendu Joseph homme de situation et père de Pharaon. » L'Esprit de Dieu a élevé et rendu Joseph. L'Esprit de Dieu a élevé et rendu Joseph homme de situation et père de Pharaon. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. L'Esprit de Dieu a élevé et rendu Joseph homme de situation. L'Esprit a élevé et a rendu Joseph homme de situation et père de Pharaon. On est dans le livre de Genèse, chapitre 41, versets 32 à 33. Non, d'abord les versets 8 à 16. Versets 8 à 16. À la maison, tu pourras lire tous les chapitres, mais je te donne seulement quelques versets. Versets 8 à 16, puis les versets 32 à 33. Chapitre 41, versets 8 à 16, 32 à 33, et puis 38 à 46. 38 à 46. Je le répète. Genèse, chapitre 41, versets 8 à 16, puis les versets 32 à 33, puis les versets 38 à 46, et puis chapitre 45, les versets 8. 45, verset 8. Et Zacharie, chapitre 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. On commence avec Genèse 41. Genèse 41. On commence au verset 8e. Genèse 41, versets 8 à 16. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Tous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donné. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre les chefs des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte des prisons. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Les versets 32 à 33, nous lisons ceci. « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. » Qui se rappelle de ces passages-là? Ésaïe, chapitre 11, verset 2. La première partie, l'Esprit de l'Éternel donnera de l'intelligence et la sagesse et de l'intelligence. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. 38 à 46. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Dieu en majuscule, c'est-à-dire le Saint-Esprit. « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu,
Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tous les pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnath Panéach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut les pays d'Égypte. Amen. 45, chapitre 45, le verset 8e. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Un étranger, un esclave. L'Esprit de Dieu est merveilleux. Zacharie chapitre 4, verset 6, c'est un passage que nous lisons souvent. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Et nous avons regardé, l'histoire nous parle de Joseph. Qu'est-ce que signifie d'abord Joseph? Joseph, ça veut dire qu'il s'accroît. Que l'Éternel ajoute. Qui s'accroît, que l'Éternel ajoute, Dieu ajoutera. Qui s'accroît, que l'Éternel ajoute, Dieu ajoutera. Dieu accroîtra ma descendance. Dieu accroîtra ma descendance. C'est la signification du nom de Joseph. Mais Pharaon, quand Joseph a interprété son rêve, il a élevé, il a changé de nom. Il a donné le nom de Tsafnath Panéach. Le nom égyptien qu'on avait donné à Joseph, c'est Tsafnath Panéach. Ça veut dire quoi? Celui qui donne la nourriture de la vie. Tsafnath Panéach, ça veut dire celui qui donne la nourriture de la vie. Ça veut encore dire soutien de la vie. Tsafnath Panéach, ça veut encore dire soutien de la vie. Ça veut encore dire celui qui nourrit le pays. Celui qui nourrit le pays. Et Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Joseph était un jeune hébreu. Il est venu de son pays dans le coin de Canaan. Il est descendu jusqu'en Égypte, vendu par ses propres frères à cause de la jalousie. Il voyait des rêves, il voyait des visions. Joseph avait en lui les dons du Saint-Esprit. La Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions. Donc les dons, dans les dons, on a vu des dons de révélation, on a vu les dons aussi, on a parlé des rêves. Je vous avais expliqué des rêves ainsi que des visions. Si tu rentres dans le livre de Job, on parle aussi que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, par des songes, par des rêves et par des visions nocturnes. Donc ça fait aussi partie des dons de révélation. Les dons, les visions, les rêves. Ça fait partie des dons. Alors Joseph avait à l'époque déjà
reçu le don du Saint-Esprit. Il avait en lui les dons de rêver et d'interpréter des rêves. Si tu donnes tes rêves, lui savait l'interpréter. Et si lui-même il rêve, il savait interpréter ses rêves. Bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous donne l'interprétation de nos rêves. Que quand tu rêves, que Dieu te parle et qu'il te dise c'est quoi ton rêve. Les rêves de quelqu'un, ça parle sur la vie de cette personne. Mais il faut que tu puisses arriver à décoder les messages. C'est comme si Dieu te donnerait un message codé. Nous devons connaître comment décoder nos messages. Quand tu ne connais pas décoder ton message, tu peux aller te le raconter à quelqu'un de méchant, il peut détruire ton avenir. C'est toi-même qui es parti lui parler de ton avenir. Il peut aussi aller détruire ton avenir. Tout comme aussi cette personne aussi pourra prendre ces rêves-là. Ici, nous voyons beaucoup de gens, surtout les Amérindiens ici, ils ont ce qu'on appelle les capteurs de rêves. Ça fait partie de leur culture, ils ont les capteurs de rêves. Ils les mettent à leur maison pour capter des bons rêves. Si toi, tu as des bons rêves, des bonnes visions, donc des rêves de quelqu'un, c'est le futur de quelqu'un. Le rêve de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un. Tu attendras même les païens, ils disent que mon rêve, c'est d'arriver en Europe. Mon rêve, c'est de me marier à tel âge. Le rêve de quelqu'un, c'est l'avenir de quelqu'un. Le rêve de quelqu'un, ça a de l'importance. Nous avons besoin que nos rêves, nous puissions les comprendre. Nous avons besoin que Dieu nous parle par des rêves, par des visions. Ça peut être des rêves quand tu dors, ça peut être aussi les rêves que tu envisages, quelque chose que Dieu te met à cœur, qu'il faut que tu accomplisses. On voit ici que Joseph a commencé à rêver chez eux à la maison. Il a commencé à rêver, il a raconté ses rêves. Il avait dit deux grands rêves. Dans la vie, bien-aimé, tu peux avoir des rêves et des rêves, mais il y a des rêves que tu n'oublieras jamais. Il y a des visions et des visions, mais il y a des visions que tu n'oublieras jamais. Soit tes visions qu'on te poursuit, soit tes visions qu'on te combat, ou bien soit tes visions que tu as frappées. Ou bien que tu es devenu. Il y a de ces rêves qu'on oublie facilement. Il y a des visions qu'on oublie facilement. Mais il y en a des rêves. Même après les années, tu vas les raconter comme si c'était aujourd'hui. C'est comme si tu as déjà vu. Et les visions de Joseph, c'était des visions comme ça. Quand il a rêvé deux rêves. Le premier, il a rêvé que non, ils étaient avec ses frères, entourés, tous, ils avaient pris des gerbes dans les champs. Ils étaient tous dans les champs. Chacun avait eu des bouquets de semailles. Et lui, il a eu des blés, c'était des blés. Et lui aussi, il était là. Mais les gerbes de son frère venaient s'incliner, tous tombaient au devant de ces gerbes à lui. Il a expliqué ça à son père, à ses frères. Ils étaient fâchés. Comment toi, tu veux nous dominer? Comment nous allons nous agenouiller devant toi? Dieu, laisse-moi te dire, ce que Dieu a dit que tu deviendras, tu le deviendras. Aucune personne ne pourra l'interdire. Ce que l'Esprit de Dieu t'a révélé, même si quelqu'un a nié, ça s'accomplira. Quelqu'un peut dire, non, moi je ne sens rien aujourd'hui. Je vous avais expliqué l'histoire d'une sœur. Elle m'avait dit que non, moi je suis même pas ça. Dieu ne m'avait jamais parlé de comme ça. J'ai promis à Dieu, quand je vais arriver au Canada, je vais servir l'Éternel. Et j'ai continué à servir l'Éternel. Elle n'était plus. Elle commençait à tomber, elle vivait avec les hommes, elle faisait des aventures. Je ne la connaissais pas. Elle a trois rivières, moi ici, je ne la connaissais pas. Elle arrive ici, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé pour cette sœur, qu'elle me parle à la fin. Elle m'a dit, j'ai à te parler. Et j'ai dit à Dieu, Dieu m'a dit que tu as des choses à me dire. Elle-même me dit que Dieu lui a dit que j'ai des choses à lui dire. Maintenant, quand je lui dis ce que Dieu avait à lui dire, elle se fâche. C'est ce qui est arrivé avec Joseph dans la prison. Joseph, il arrive dans la prison, on l'a arrêté arbitrairement. D'abord, on l'a vendu, il est devenu esclave. Il était hébreu, tranquille chez son père, bien-aimé de son père. Mais ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé en Égypte, le pays qu'il ne connaissait pas, à l'âge de 17 ans. Un jeune garçon adolescent, à la fleur de l'âge, plein de vigueur, on le vend. Bien-aimé, il y a dans la vie des méchants, dites les méchants. Les gens qui sont capables de te vendre, de penser qu'ils ont vendu ton futur, mais ton futur est dans les mains de qui? De Dieu. La vie de quelqu'un, si quelqu'un d'autre veut la détruire, si tu es dans les mains de quelqu'un, de Dieu, personne ne pourra te toucher. Même s'il fait quoi, même si tu tombes malade, tu t'en sortiras. Même si tu fais l'accident, tu fais un tonneau, on vient regarder l'auto est déclassé, mais la personne sort dedans. On se demande comment cette personne est sortie dedans. Laisse-moi te dire que Dieu, il est Dieu. L'Esprit de l'Éternel te sauvera même des dangers. Même en prison, même attaqué, l'Esprit de Dieu te sauvera. Dieu ne te laissera pas tomber.
L'Esprit de Dieu, il intercédera au-dedans de toi. Je vous ai dit pas des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit te sauvera des dangers. On prend dans Joseph, on le vend, on pense qu'on a fini avec lui. On n'en avait pas encore fini. Asnat Paneshat. Il était là. On savait que lui le sera un sauveur plus tard d'un pays. Un sauveur du pays, vous voulez le tuer. Un sauveur de votre situation. Au moment difficile, vous voulez le tuer. Bien-aimé, ne cherchez jamais de problème avec quelqu'un parce que tu ne sais pas qui sera ton sauveur. Qui sera ton aide. Tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un. N'aie pas la jalousie. Église Parole de Vie Internationale, que la jalousie soit bannie de votre vie. Si quelqu'un béni, soit content. Chez nous, à Lingala, on dit quoi? Ceux qui m'ont dit qu'il c'est Pela. Pesa peut cadeau même. C'est-à-dire, si quelqu'un est béni, soit content, donne même un cadeau. Il ne faut jamais être fâché contre l'autre. Nous sommes comme dans la file. Aujourd'hui, c'est ton tour, tu reçois. Demain, ça sera mon tour. Laisse à ce que chacun reçoive à son tour. À chacun son tour. À chacun son moment. Il ne faut jamais être jaloux. On est béni aujourd'hui. L'autre sera béni demain. Toi, tu es béni aujourd'hui. L'autre sera béni demain. Toi, tu es béni demain. L'autre sera aussi béni après-demain. On est dans la file. À chacun son tour. Et à chacun selon la bénédiction de l'Éternel. Dieu a la bénédiction pour chacun de nous. Ne sois pas jaloux. Oh, pourquoi moi mes enfants? Pourquoi moi mon mari? Pourquoi pas moi ma femme? Non. Reste tranquille. Dieu te bénira. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ils ont vendu leur bénédiction. Joseph arrive en Égypte. On l'achète chez Potiphar. Il devient esclave. Chez Potiphar, la femme de Potiphar l'accuse que non, il a voulu coucher avec moi. Une grosse accusation comme ça. On le jette en prison. Un esclave, on le jette en prison. Vous pensez c'était quoi maintenant? Un esclave qu'on accuse qu'il voulait violer la femme du boss. C'est la mort. Donc tu es condamné, on attend le jour où on va te tuer. Ah, laisse-moi te dire, l'Esprit de l'Éternel te fera sortir même de la mort. On veut te condamner, l'Esprit de l'Éternel te fera sortir de la mort. Dieu ne voulait pas qu'il reste chez Potiphar, de peur que même la femme de Potiphar puisse l'empoisonner. En prison là-bas, c'était comme un moment où Dieu voulait seulement le cacher. Il y a des situations qu'on passe, on pense qu'on est en train de souffrir. On allait souffrir plus que ça. Dieu est en train de nous passer à travers. C'est seulement pour nous cacher. Afin que le moment soit passé. Que la tempête soit passée dehors. Que la tempête soit passée. La prison de Joseph, c'était un endroit de cache. Dieu voulait le cacher. C'était comme une grotte pour lui. C'était une protection pour lui. C'était un moment où Dieu voulait encore le protéger de beaucoup d'autres dangers. Les problèmes que tu as rencontrés, des maladies que tu as rencontrées, la déception que tu as rencontrée, les rejets que tu as rencontrés, les chômages que tu as rencontrés, les échecs que tu as rencontrés, la souffrance que tu as rencontrée, c'est pour un temps. Dieu est en train de te cacher par rapport à une grande chose qui voulait te frapper. Dieu est en train de t'entraîner. Il est en train de t'éduquer. Il veut que tu apprennes le combat. La Bible déclare, David il a parlé. Il a dit, tu entraînes mes mains au combat. Quand est-ce que Dieu a entraîné les mains de David au combat? C'était quand il était avec les ours et ce qu'il est lié dans la forêt. Rejeté par ses frères. Abandonné par sa mère. Tout seul dans la forêt. Un jeune garçon rejeté par tous. Dieu a commencé à l'entraîner. Il commençait à entraîner ses mains au combat. Pendant qu'il il se faisait l'entraînement, lui pouvait penser que c'était une souffrance. La souffrance que tu connais, c'était un entraînement. Quand j'ai partagé l'autre fois avec la sœur Gloria, il me dira que dans le même rêve qu'elle rêvait, on lui avait aussi dit que non. Je lui parlais, je lui disais dans le rêve que non. La souffrance que tu es en train de connaître, le combat que tu connais, tu es rentré maintenant dans le combat des grands. C'est pour que tu deviennes plus fort. Dans les rêves, c'est pour que tu deviennes quoi? Plus fort. Je lui ai dit, ça c'est ton message. Dieu le combat pour toi, il a dit que tu ne seras jamais vaincu. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Donc Dieu aussi, il veut t'entraîner. Tu as atteint le niveau élevé de combat, mais tu as grandi. Dieu veut que tu grandisses. Parce que vous savez, les enfants, ils pleurent tout le temps. Il a sommeil, il pleure. Surtout, il y a d'autres enfants pour dormir, c'est tout un problème, un combat. Tu vas voir d'autres enfants, et quand il veut dormir, il va vous troubler dans la maison. Vous le mettez à gauche, non, il ne veut pas. Vous le mettez à droite, il ne veut pas. D'autres enfants, c'est mal chez nous, on les met au dos. Au dos, c'est mal, tu commences à faire c'est mal ça. Toi, tu commences à te bercer. Toi, tu souffres, la maman, tu souffres, lui, il est en train d'être bercé, et c'est là qu'il dort. Il te souffre avant de dormir. Mais à un certain moment, il grandit. Si tu lui dis que toi, tu étais bébé là, il ne va plus accepter. Il ne veut même plus écouter ça. Mais quand tu lui dis que tu pleures comme un bébé là, tout de suite, il arrête. Il ne pleure plus. Quand on grandit, à un certain moment, on ne pleure plus.
Même si on pleure pour combattre. Parce qu'on sait que les larmes sont aussi des armes. Allô? Vous vous rappelez encore de cet enseignement? Les larmes sont quoi? Des armes. Quand tu es, ton cœur est blessé, ne pleure pas devant l'homme. Va pleurer devant Dieu. Et ne pleure pas. Non. Pleure en parlant. Seigneur, tu vois maintenant, papa. Tu vois, Seigneur, je suis rejeté, papa. On m'a slaqué. On m'a accusé. Tu pleures. Les larmes là, ce sont des armes contre tes ennemis. Une goutte de tes armes, de tes larmes, c'est quelque chose dans le camp de l'ennemi. Dieu ne rejette jamais les larmes d'un fidèle. Il les recueille toutes et il va te récompenser un jour. Allô? La Bible déclare, on a mis en prison Joseph. Le chef de la prison, il a préféré, il a fait de lui son esclave, c'est ce que la Bible nous dit ici. Il a fait, quand on parlait de Joseph auprès de Pharaon, le chef des échansons, il a dit quoi? Il y a un jeune hébreu esclave, esclave du chef de garde de la prison. Un jeune hébreu esclave du quoi? Du chef de garde de la prison. Vous avez lu ça dans les passages que nous venons de lire. Donc il était comme son esclave, en même temps comme son employé, son travailleur, son boy, son garçon de course dans la prison. Ah, va faire ça, il va faire ça. Quand même, là, tu manges aussi, tu profites aussi, mais tu vis. Comme on pensait le tuer et qu'on ne l'avait pas tué, il a trouvé la grâce auprès du chef de garde. Donc il était là quand même tranquille, mais il était dans la prison. Limité. Une prison, c'est un endroit limité. Un endroit où on est bloqué. Un endroit où on est privé de toute réjouissance, de toute liberté. Dans une prison, on n'a pas la liberté. Dans une prison, on n'a pas la joie. Dans une prison, on n'a pas tout ce qu'on a droit. Dans une prison, on n'a plus le droit qu'on devait avoir. Dans une prison, on est comme limité. On ne peut pas traverser cet endroit. Dans une prison, on est privé de notre liberté. On est privé de notre loisir. On est privé de notre plaisir. On est privé de notre entourage. On est privé, on est éloigné de tout ça. On est comme en retrait. Dans une prison, on est considéré comme on est dans le noir. Tout devient sombre dans la prison. Rien ne marche. Rien n'avance. On est limité, on ne peut pas faire des démarches. On ne peut pas aller travailler. On n'a plus de salaire. Dans une prison, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de salaire. Même si on t'apprend à travailler dans la prison, c'est pour les bénéfices de l'extérieur. Les prisonniers, il y a des travaux forcés qu'on leur fait faire. Ce travail-là, ils ne bénéficient pas de ce travail qu'ils ont fait. Il y en a d'autres qui vont même aller travailler dans les champs, qui vont faire des champs. Dans certains pays, les prisonniers, comme en Ouganda, les prisonniers, c'est eux qui cultivent les champs du président ou les champs des autorités. Ils vont faire des prisons. Là où les tracteurs devaient travailler, les prisonniers, ils viennent travailler. Ils vont cultiver les maïs, ils vont cultiver les matoques, les foufous qu'on mangeait là-bas. Ce sont les prisonniers qui les cultivaient. Mais eux-mêmes, ils ne mangent pas ça. Ils ne bénéficient pas, on ne les paye pas. Ici, si tu travailles 2 heures, 3 heures, 8 heures le jour, on te paye de l'heure. Prisonnier, Joseph, on les fait travailler en prison, il travaille tranquille. Il est content de son travail qu'on lui fait, pourvu qu'il bénéficie. S'il va manger au moins, s'il va bénéficier peut-être, je ne sais pas quoi, ce sont des bénéfices qu'on profite. Mais on ne te paye pas. Un jour, il y a des gens qui ont rêvé. Les panettiers ont rêvé, les chansons ont commencé à rêver et les panettiers, la même nuit, les deux, ils ont rêvé. Tous les deux, ils travaillaient chez les rois. Le premier a rêvé, il a dit que non, j'ai rêvé que nous étions, qu'il y avait, je ne sais pas quoi, il a raconté son rêve, il a fini. Joseph l'interprète le rêve, il dit non, dans 3 jours, les 3 choses que tu avais vues, dans 3 jours, tu seras remis dans ton travail. On va te pardonner, tu vas sortir de la prison, tu vas aller encore commencer à servir le vin au roi. Quand il sera encore à côté du roi, parce que les chansons, ils parlent avec le roi. C'est eux qui goûtent la nourriture même du roi, c'est eux qui servent le roi. S'il faut qu'ils meurent, si on a empoisonné le roi, c'est eux qui vont mourir à la place du roi. Alors, ils sont des gens qui sont proches des portes du roi. Joseph a dit que quand il sera sorti, parle de moi auprès de qui? Auprès du roi. Il a dit sans faute, comme on lui a donné une bonne nouvelle, il a dit il n'y a pas de problème. Comme ils étaient à deux, les deux, comme ils travaillaient chez le roi, l'autre était le panettier. C'est-à-dire celui qui travaillait, qui goûtait la nourriture du roi, ou bien je ne sais pas, qui travaillait les pains du roi. Bon, toi tu comprends. On lui dit, lui aussi il parle, il dit quand il a écouté l'interprétation de l'autre.
Lui, il a commencé, il est venu aussi raconter son rêve. Laisse-moi te dire, ce qui est à l'autre est à l'autre. Et il ne faut jamais être jaloux, comme on l'a dit des bonnes choses. Moi, il faut qu'on me parle aussi. Il y a des fois, ici, quand l'Esprit de Dieu commence à prophétiser ici, il y a des gens qui disent, c'est Seigneur, prophétise aussi pour moi. Tu vas attendre que toi, on te dise, répands-toi. Tu dis, ah, l'autre l'a dit qu'on l'a béni. Hein? On l'a dit qu'on l'a élevé, on l'a donné les dons de guérison. Mais moi, Dieu me dit, mais de me repentir, c'est quoi ça? Ah, ça, ce n'est même pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu à Wapi. C'est toi qui n'as pas l'Esprit de Dieu. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même avenir, le même avenir, on n'a pas les mêmes rêves. Chacun rêvait. Et les rêves de l'autre, on l'a interprété pour qu'il puisse sortir. Mais le l'autre, on l'a interprété, on dit que non, dans 3 jours, toi aussi, c'est aussi 3 jours. On a dit, ah, ça commence bien. 3-3. Il y a des gens qui comparent comme ça. Match nil. Dans 3 jours. Ah, c'est que tu as vu les 3 paniers là qui étaient au-dessus. C'était les 3. Il y avait les pains dedans. C'était 3 jours. Et les corbeaux qui venaient manger là. Il a dit, non, toi, on va te pendre. Dans 3 jours, on va te tuer. Caca, makama, makasibou. L'autre, on lui a donné des bonnes choses. Maintenant, moi, on me parle de mauvaises choses comme ça. Pourquoi? Il était fâché. On essaie d'illustrer cette partie avec ma sœur Nadine des fois. On s'est dit que non, sûrement, la Bible n'a pas écrit. Comme il travaillait avec les rois, il dominait des autres peuples, non? Ils étaient considérés comme des chefs. Comme Joseph était esclave, c'est sûr qu'il lui avait donné une bonne gifle. Pah! Pourquoi moi, tu vas m'interpréter des mauvaises choses comme ça? Mais Joseph, il était tranquille, il a dit, il n'y a pas de problème. Toi, je ne te promets même rien, parce que dans 3 jours, tu vas mourir quand même. Même si tu me gifles, dans 3 jours, tu vas quand même mourir. Il est sorti là-bas, fâché. 3 jours arrivés, on vient, on ouvre, on dit, qu'est-ce que c'est? Hé, chanson! Tu es pardonné, va retourner au travail chez les rois. Allez, panetier, toi viens, on va te pendre toi. Viens-t'en ici. Allez, passe ici en avant. On est parti avec lui, on l'a pendu. Et les chansons ont vu ça, il a dit à Joseph, vraiment, toi tu rêves, tu interprètes bien les rêves. Joseph lui a dit que quand tu seras sorti, parle auprès du roi. J'ai été accusé faussement, je suis hébreu, j'ai été accusé faussement. Et je n'ai personne ici. Il pensait que lui va avoir pitié de lui. Des fois, on s'adresse à la mauvaise adresse. Tu vas aller pleurer devant quelqu'un qui va aussi chercher à te tourmenter. Il va être avec toi, il va te dire, yo, quand tu parles, yo, oh sorry. Tu commences même à pleurer, il prend même le papier mouchoir, il te dit, vraiment, yo. Hein, c'était encore comment? C'était comme ça, yo, oh, pour les, yo. Quand il arrive dehors, il dit, on l'a eu. Il est par terre. Elle est finie. Qu'elle parle encore. Bien-aimé, quand mon temps n'est pas encore arrivé, ne te moque pas de moi. L'Esprit de Dieu est avec moi. Esprit de Dieu, il fait des merveilles. Il ne vient pas seulement nous pacter des dons du Saint-Esprit. Il vient aussi nous libérer. L'Esprit de Dieu nous donnera aussi l'accès. Il nous ouvrira aussi des portes. Il élargira encore nos portes et nos sentiers. L'Esprit de l'Éternel nous fera sortir de la servitude. Il changera notre identité. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te transformera. Tu ne seras plus la personne délaissée, abandonnée, méprisée, négligée, écrasée. L'Esprit de Dieu. Il va t'amener là où les gens ne pouvaient jamais t'amener. L'Esprit de Dieu. Il va te faire monter là où tu ne pouvais jamais atteindre. L'Esprit de Dieu. Il va te faire admirer et te faire apprécier. Et que les gens puissent apprécier ce que tu as en toi. L'Esprit de Dieu. Il va te donner des compétences là où les autres n'avaient pas de compétences. Il va te donner des compétences supérieures aux compétences des gens qui ont étudié. L'Esprit de Dieu, même si tu n'as pas étudié, il peut te ramasser de la poussière pour te faire asseoir avec des grands. L'Esprit de Dieu, il ramasse quelqu'un du néant et l'amène quelque part. Les chansons sont parties, il a oublié. Les chansons sont parties, il ne savait pas que j'ai laissé l'Esprit dans la prison. Un jour est arrivé. Dites un jour est arrivé. Dans notre vie, un jour seulement, ça arrive. Il y a un jour que Dieu a préparé. La Bible dit quoi? Voici les jours que Dieu a créés. Il y a des jours que Dieu a créés dans nos vies. Les jours où son esprit va se manifester. Les jours où Dieu va se glorifier. Les jours où Dieu va expérimenter sa puissance à travers son esprit dans notre vie. Les jours où Dieu va nous distinguer par rapport aux autres. Les jours où Dieu va nous identifier et il va nous faire apprécier. Les jours où Dieu va nous faire monter et tout le monde verra
selon ce que Dieu a mis à nous. On peut t'accuser aujourd'hui, on peut t'écraser aujourd'hui, on peut t'humilier aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Tu peux traverser la prison, tu peux traverser les fouets, tu peux traverser les chiffres, tu peux traverser les insultes, tu peux traverser les mépris. Un jour viendra, un jour Dieu a créé. Voici les jours que Dieu a créés et ces jours c'est pour te faire du bien. Laisse que ces jours arrivent dans ta vie, que ces jours se manifestent dans ta vie. 2023, le reste de ta vie ne soit plus pareil. Que Dieu s'élève, que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste parce qu'il est Dieu. Un jour viendra, un jour viendra, un jour viendra, un jour arrive et il arrive à grands pas. Ce jour là ne tardera pas. Les bénédictions que Dieu avait préparées pour toi, pour 2022, avant 2023, qu'il te l'accorde parce que tu es dans sa présence. Un jour viendra, là où on t'avait insulté, oublié, un jour viendra, on pensera à toi, on va penser à toi, là où on ne voulait même pas, Dieu va imposer qu'on pense à toi. Les chansons sont parties, il a oublié Joseph, mais un jour est arrivé. Les jours, un jour que ça arrive dans ta vie, qu'un jour arrive dans ton existence, que Dieu te distingue, que Dieu puisse rappeler à quelqu'un qui te doit quelque chose. Il y a des gens qui nous doivent la reconnaissance, il y a des gens qui nous doivent encore des choses, et ces choses-là sont plus grandes que ce qu'elles sont. L'essentiel, que Dieu rappelle à quelqu'un ce qu'il te doit. Il y a des gens qui nous doivent des choses, il y a même des gens qui nous doivent des excuses. Il y a des gens qui doivent venir s'agenouiller devant de toi. Et il y a des gens qui vont s'appeler tes amis parce que c'est moi qui es élevé maintenant. Un jour viendra. Un jour maintenant, ça Pharaon a rêvé. Quand le jour-là est arrivé, Pharaon a rêvé. Dites, Pharaon va rêver. Pharaon a rêvé. Il a rêvé qu'il a vu cette vache qui sortait de l'eau. Cette vache maigre. D'abord, cette vache grasse. Ces vaches grasses-là sont sorties de la mer. Puis il y a eu maintenant des vaches maigres qui sont venues, ils ont avalé, ils ont mangé les vaches maigres et grasses. D'abord, la vache ne mangeait pas une vache. Ils mangent de l'herbe. Ils sont herbivores, ils ne sont pas carnivores. Mais dans les rêves, la vache maigre a avalé la vache grasse. Puis il a vu des épis en santé, qui sont sortis aussi. Puis les épis aussi maigres, ils ont avalé les épis grasses et qui étaient en santé. Il se réveille, ce rêve-là l'a troublé. Si moi-même j'ai révélé des choses comme ça, peut-être ça ne me troublerait rien. Tu te réveilles comme ça, tu dis, bon, j'ai réveillé seulement les champs. Hein. Les chats, les vaches, ben, c'était bizarre quand même. Hein. Ah, ces vaches-là, ça va être les sorciers. Hein. C'est comme ça que moi je pouvais interpréter. Hein. Ça doit être les sorciers qui ont avalé les enfants de Dieu. Et la mer, c'est le monde. Et les vaches, ce sont les hommes. Mais les méchants, ils vont avaler les gentils. C'est comme ça que je pouvais prendre, non? Vrai ou faux? Écoutez maintenant l'homme qui a l'Esprit de Dieu. Dites l'Esprit de Dieu. J'aime l'Esprit de Dieu parce qu'il nous fait comprendre les choses au-delà de ce que nous voyons. Un jour, une sœur m'a appelé. Il m'a dit, j'ai rêvé ça. Il m'a dit, je n'ai pas compris, ça doit être les combats, ça doit être des choses, je voyais des nains, j'ai dit non. Ce que tu as vu ça, c'est tel. Il y a telle chose, et ces choses-là que tu as vues, ce sont de telles choses, de tels démons, de tel endroit et de telles personnes. Hein? J'ai dit, attends, je vais te revenir là-dessus. Et puis je l'ai rappelé, j'ai dit, c'est vrai ce que je t'ai dit. Quelques temps après, et là il a confirmation, maintenant par prophétique, par Dieu lui-même, il lui a parlé. Et la personne qui l'a combattu a confirmé. Allô? Des fois, on peut taper à côté. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on peut taper à côté. Tu sais que tu es en combat, mais tu ne sais pas vraiment détecter ton combat. Et tu ne sais pas vraiment cibler la vraie personne ou bien le vrai endroit. Il faut que tu puisses avoir l'Esprit de Dieu. Un frère m'avait dit, par rapport à la situation qui se passe à l'Est, là-bas chez nous, il y a 2 semaines ou 3 semaines passées, avant que la guerre, qu'on puisse prendre Routchourou ou tout ça, le reste de cet endroit-là. Il m'a dit, j'ai rêvé ceci. J'ai rêvé que Goma, c'était comme s'il y avait de l'eau qui ont inondé. Et il y avait comme aussi les volcans aussi est arrivé.
Les gens qui restaient près de la grande ville là-bas, les maisons se sont noyées. Et les gens fouillaient. Il y avait vraiment la catastrophe dans la ville. Moi, j'étais parti dans le centre-ville. J'ai vu tout ça. J'ai dit, ah, ça va devenir très, très, très fort. Ça va aller atteindre d'autres endroits. Il faut que moi, je sorte. Il a pris une moto. Il est sorti. Quand il est sorti, les autres qui étaient dans ce coin-là où il était, ils se sont noyés. Il m'a dit, ah, je ne comprends pas. Peut-être que le volcan va encore s'allumer. Hein? Parce que chez nous, là-bas, le volcan à Goma, ça a toujours fait. Vous avez, vous rappelez, cette année ou bien c'était l'année passée qu'on avait envoyé là. C'était l'année passée. Il y avait le volcan qui était allumé. Alors, il m'a dit, je pense que le volcan va encore s'allumer. J'ai dit, non, ce n'est pas le volcan. De votre côté, là-bas, il y aura la guerre et il y aura la famine qui va venir et qui va s'abattre. Mais Dieu va t'épargner, toi. Toi, Dieu va t'épargner. Et je me suis rappelé du message que Dieu nous avait dit quoi? Il y aura des catastrophes dans le monde, mais Dieu va épargner les saints. Il a voyagé en mission de travail. Pendant qu'il était là-bas, il y a eu maintenant toutes ces choses qui sont arrivées. Le jour où il est rentré, la ville était morte. On avait mis des pierres sur les routes pour barrer pour que les ennemis ne viennent pas. Toute la population était dehors, ils faisaient des marches. Ils attendaient à ce que les ennemis viennent et qu'ils se battent. Mais dans son travail, déjà, ils avaient déjà un plan d'évacuation. Je lui ai dit que même s'il y a des dangers qui vont arriver, Dieu va t'évacuer. Il faut prier pour la ville de Goma. Aujourd'hui, j'aimerais qu'avant qu'on termine les cultes, qu'on prie pour la ville de Goma, pour l'est du Congo. Il y a quelque chose qui va arriver. Et ça risque d'être sérieux. Il m'a dit, quand je suis parti à Nairobi, j'ai fait seulement une semaine. Le pot de farine, ça coûtait, je ne sais pas si c'est 4 dollars, si c'est 5 000 francs. C'est arrivé à 24 000 francs. 24 000 francs, parce que c'est Rutshuru qui alimente Goma. Bunagana, Kibumba, et la frontière là-bas, et tout ça. Toutes ces parties-là, c'est ça qui alimente avec la nourriture la ville de Goma. Mais là, qu'elle se tombait dans les mains des rebelles, donc Goma n'a plus de nourriture. Des peu qui étaient restés dans les dépôts, ça a haussé des prix. Il a dit que moi, heureusement, je suis seul. Hein. Maintenant, il demande ceux qui ont des enfants à l'école, qui ont des femmes, qui doivent scolariser les enfants, qui avaient d'abord des maigres salaires. Il dit, je ne sais pas comment les gens vivent. La fin là que tu avais vue, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai pensé que ça serait plus loin. Mais c'est arrivé là. Les gens sont en train de mourir de faim. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le Saint-Esprit parle, il faut avoir le discernement que Dieu, le Saint-Esprit, te révèle ce que Dieu veut parler. Il y a des choses qui vont arriver, il faut laisser ce que Dieu nous parle. Dans ce temps où nous sommes, cette année, l'année prochaine, Dieu nous a déjà parlé. Il y aura des choses. Dieu nous avait dit non, qu'il y aura la famine de l'année prochaine, ça va encore être là. La famine va continuer. Ce qu'on a vu cette année, ça sera moins que l'année prochaine. Prions seulement. On ne sait pas ce qui va arriver. La fin va arriver. Les gens vont mourir. Les catastrophes vont arriver. C'est question d'avoir des Joseph au milieu de nous. Allô? Mon ami avec qui on allait évangéliser m'appelait Joseph. Parce que quand elle rêvait, je l'interprétais ses rêves. Mais je ne suis pas au niveau de Joseph. Joseph, il est Joseph. Allô? Nous pouvons peut-être, nous essayons. Mais Joseph, il est Joseph, il est spécial. Joseph, il était tranquille en prison. Les chansons, il reste. Les chansons, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il n'y a rien. Pharaon, il appelle tous ses magiciens, ses magistrats, ses féticheurs, ses devins. Tous, ils sont venus. Il a dit, j'ai rêvé ceci. Personne n'arrive à comprendre l'interprétation des rêves. Vache grasse, vache maigre. Personne ne comprend. Pourtant, eux, ils ont même étudié l'école de la magie, de la sorcellerie. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu est plus grand que l'Esprit de la sorcellerie. Dieu lui voit au-delà de ce que les magiciens voient. C'est pourquoi tu verras un magicien, il ne sait pas même le jour où il va mourir. Il ne sait même pas que tu vas échapper de sa prison. Lui, c'est content qu'on lui dit que non, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Il voit que non, tu vas tomber dans ses pièges. La soeur qui voulait me tuer là, elle avait déjà senti l'odeur, non? Dans la magie, dans sa sorcellerie, on avait déjà dit que tu l'as déjà dans les mains. Mais la façon dont j'ai échappé, on ne lui avait pas montré. Ils sont limités. Les sorciers sont limités, dit.
qu'on accepte que notre Dieu il est au-delà. Lui, il voit au-delà de ce que les hommes voient. Et ils sont limités. Mais notre Dieu, il est illimité. Notre Dieu, il voit au-delà de ce que les hommes voient. Notre Dieu, il peut faire au-delà de ce que les hommes peuvent faire. La Bible déclare qu'on est venu chercher Joseph dans la vitesse. Les chansons a parlé, a dit, aujourd'hui, je vais confesser mon péché. Et ça, c'est que ces gens-là confessent leur péché. Même ceux qui ne parlaient pas de toi, disaient que je ne ferai pas mention de lui, je vais l'ignorer. À un certain moment, Dieu va les imposer à parler en bien de nous. Même ton ennemi, il pourra parler en bien de toi. On lui demande les rapports, il va donner un bon rapport pour toi. Parce qu'il est obligé. Non pas parce que non, il va le faire, il est obligé. Il arrive le temps où Dieu oblige même nos ennemis à parler en bien de nous, ou bien nous faire du bien. Que ton ennemi, Dieu l'oblige à te faire du bien au nom de Jésus. À cause de l'esprit que tu as, que Dieu l'impose à parler en bien de toi. La Bible déclare, il a confessé, il a dit à Pharaon ce qui leur était arrivé. Pharaon lui a dit, cet homme il est où? Il a dit, il est en prison. On n'a même plus regardé c'était quoi la cause de son arrestation. On n'a plus regardé à combien de temps lui restait pour rester en prison. On n'a même pas regardé la gravité parce que la cause pour laquelle on l'avait accusé, c'était le viol de la femme du boss. C'est qu'on ne pouvait pas l'amener chez le roi pour qu'il vienne violer la femme du roi ou bien les filles du roi. Vous voyez ça? Le jour où Dieu se rappellera de toi, on oubliera même toutes tes accusations. Toutes les accusations qu'on a faites pour toi, laisse à ce que l'Esprit de l'Éternel puisse agir à ce qu'on oublie, même les mal pour lesquels on t'avait accusé. Au nom de Jésus, que Dieu te défende, que le Dieu te libère. On a fait venir à la hâte Joseph, il s'est rasé, il s'est changé de vêtements, il est arrivé au devant de qui de Pharaon. Pharaon, il lui dit que j'ai appris que toi quand tu as écouté un rêve, tu sais l'interpréter. Il dit que ce n'est pas moi, ô roi, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas toi qui feras. Dans le travail où tu travailles, il y a des emplois que les boss même ne pourront pas. Les licenciés ne pourront pas. Les gens qui ont des bacs ne pourront rien. Les gens qui ont des doctorats ne pourront rien. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui es l'homme de la situation. Il n'y a que toi qui sois la femme de la situation. Dieu va t'élever à un niveau que personne ne pourra te freiner. Dieu va t'élever à un niveau où personne ne pourra même se douter de toi. Même les diplômés, même les gens qui ont beaucoup étudié, ils ne vont pas prendre ta place. Dieu va t'élever. Ce n'est pas la capacité de tes études de l'Esprit de l'Éternel. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi, qui étaient même des premiers de la classe. Des gens qui étaient vraiment surdoués, les bolés. Mais toi qui étais les moyens, c'est à toi qui as cette place-là. Tu es l'homme, tu es la femme des situations. Tu es l'homme que Dieu va élever. Tu es l'homme que Dieu va libérer. Par l'esprit qu'il a déposé en toi, il va te distinguer. Son esprit va te donner un nouveau nom. Son esprit va changer ton nom. Il s'appelait Joseph, celui qui s'accroît. Mais on a changé. Il est devenu que celui qui a la nourriture de vie. Celui qui a la nourriture du pays. Tu as la nourriture du pays, toi. Tu as la nourriture de l'entreprise où vous êtes. Tu as la nourriture de la famille. Tu as la nourriture dans les moments difficiles. Pendant les temps de la famine et de l'année prochaine, toi, tu es l'homme, la femme des situations. Tu vas te qualifier. Tu vas te distinguer. Tu as la solution pour l'année prochaine. Tu as la solution pour les années à venir. Tu as la solution pour cette fin de l'année. Tu as la solution pour ta famille. Tu as la solution pour tes parents. Tu as la solution pour tes enfants. Tu as la solution pour ton mari, pour ta femme. Tu as la solution pour tes frères et sœurs. Tu as la solution pour cette église Parole de Vie Internationale. Tu as la solution pour l'apôtre Jeanne. Tu as une solution. Tu es homme et femme de situation. Tu es celui que Dieu a élevé. Tu vas te rendre père de Pharaon. Toi qui étais esclave hébreu, aïe, chaque fois j'attends ça, un pauvre esclave, esclave hébreu, esclave pas égyptien, esclave hébreu, esclave pas grec, esclave hébreu, esclave non pas romain, esclave hébreu, et les hébreux, ils étaient en abomination aux égyptiens. Une personne qui était considérée comme en abomination, une personne qu'on avait accusée d'abominable. On t'a accusé que tu as commis l'abomination. On t'a accusé que toi tu as commis des choses infaisables. C'est à toi qui as la solution. C'est toi qui as la solution. Accorde l'Esprit de l'Éternel sur toi.
Ah, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Ah, il y a quelqu'un que Dieu a équipé d'un esprit pour interpréter les rêves. Il t'a inspiré de son esprit. Cet esprit, il va changer ton identité. Esclave hébreu, un abominable, un hébreu qui est aussi esclave. Dieu a voulu qu'il devienne père de Pharaon. Qui devient père de Pharaon, tu vas devenir père des grands. Toi, tu vas te faire, on va te ramasser de la poussière. L'Esprit de l'Éternel te fera ramasser de la poussière pour te faire asseoir avec les grands. Là où tu ne pensais même pas. Joseph était tranquille en prison. Il n'avait même pas rêvé que ce jour-là, on viendrait le faire sortir. Brusquement. Dites brusquement. Brusquement, Dieu te fera sortir de la prison. Brusquement, Dieu te fera sortir des limitations. Ton cas là qui a duré, ton célibat là qui a duré, ta souffrance là qui a duré, ton chômage là qui a duré, tes échecs là qui ont duré, tes problèmes qui ont duré, tes troubles qui ont duré, tes soucis qui ont duré, tes inquiétudes qui ont duré, tes dettes qui ont duré, à un certain moment, il faut que ça prenne fin. À un certain moment, il faut que Dieu change ton identité. Tu étais hébreu esclave, de gardien de la prison. Dieu va te délimiter. Tu vas sortir maintenant. Tu ne seras plus appelé seulement les hébreux. Tu vas être appelé le père de Pharaon. Que tous les sorciers tombent. Les sorciers étaient là, avec leur diplôme de la sorcellerie. L'autre pouvait dire que moi je suis 13e dan de franc-maçon. L'autre dit, ah, le top niveau c'est 33 dan. Moi je suis déjà arrivé au 33e dan. Ah, l'autre dira que non, moi je suis au 13e dan de Rose de Croix. L'autre dit, moi je suis au 37e dan. Mais tous ces gens-là, malgré leur niveau, ils n'ont pas été capables. Il n'y a que toi, un Joseph comme toi. Un Joseph comme toi, l'homme qu'on a négligé. À l'époque, il avait 17 ans quand il est sorti de chez son père. Il a fait 13 ans en Égypte. 13 ans seulement. Après 13 ans, Dieu l'a visité. Toi, tu t'es dit, moi, pas souffrance, ça dirait. Toi, tu as déjà fait combien d'années dans ta souffrance là? Seigneur, depuis que je suis né, papa, je souffre. Tu as quel âge? Tu as connu Jésus à quel âge? Tu as souffert depuis ta naissance, oui. Mais tu t'es converti il y a combien d'années? Et tu as commencé après les prières de combat il y a combien de temps? Et tu t'es plaint. Tu peux te dire que je suis chrétien depuis 25 ans, mais tu as connu le vrai Seigneur il y a combien de temps? Chez Dieu, le retard n'existe pas. Peu importe l'âge que tu as, peu importe le temps que tu as duré, mais ton temps viendra. Il était adolescent, il est devenu adulte. Peut-être toi, tu étais déjà adulte. Tu peux avoir dans la vieillesse, mais je ne dis pas dans la vieillesse, non. Au nom de Jésus. Dans peu de temps, il y en a de ces gens-là qui peuvent souffrir une année, 2 ans seulement, 3 ans, ils ont la solution. Mais nous autres là, j'étais déjà pasteur. Tout ce que Dieu me répondait à chaque prière que je faisais, livre de Job. Les autres, ils peuvent recevoir. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la... Moi, les miens, c'était toujours livre de Job. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à faire. Et je te dis que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. 13 ans dans la souffrance. Il s'est réjoui peut-être quelques années chez Potiphar. Si c'était une année, si c'était 2 ans, je ne sais pas combien il a duré de temps chez Potiphar, là où il était bien. Après, il a fait la prison. La prison, là, je suis sûr qu'il était condamné à mort. Parce qu'on te met dans la prison, tu es esclave. Tu as voulu violer la femme du roi. On va te condamner de combien d'années? Il est resté dans la prison ne sachant pas qu'il va sortir. Mais l'Esprit de l'Éternel a fait que Pharaon puisse rêver et que la solution pour toute l'Égypte, c'était seulement sur lui. La solution pour toute sa famille qu'il avait vendue était seulement reposée sur lui. Il est sorti maintenant homme de solution. Il est devenu père de Pharaon. Ici, dans le chapitre 45, il est en train de dire que non, ne vous inquiétez pas. C'est pour des moments comme ceci que Dieu m'a amené ici. Voici, Dieu m'a fait devenir le père de Pharaon. Je ne suis plus seulement comme ça. Je suis celui qui apporte la nourriture du pays. Je suis celui qui donne la nourriture de vie. Nous sommes dans l'église parole, hein, de vie. Nous recevons la nourriture de quoi? De vie. Je vous ai dit que ceci. Si toi, dans ta vie, hein, tu n'as jamais raconté de combat, ta place n'est pas dans l'église parole de vie internationale. Parce que nous sommes des gens, des blessés, des guerres. Des gens qui ont déjà reçu des coups. Peut-être toi, tu vas trouver, ah, votre évangile, c'est bizarre. Notre évangile, c'est ça. Nous avons déjà reçu des coups.
Et on a besoin maintenant de nous en sortir. C'est ça notre église. Joseph a changé de nom. Il a changé d'identité. Le Saint-Esprit en lui. Il a parlé. Pharaon a dit, où trouverons-nous quelqu'un comme Joseph qui a l'Esprit de Dieu en lui pour régler nos problèmes? Vous tous, vous êtes incapables maintenant de quoi? De donner la solution. Quand Joseph a interprété, il a dit que choisis. Il n'a pas dit, prends-moi. Il a dit, choisis un homme qui a en lui l'intelligence et la sagesse. Or, l'intelligence et la sagesse ne viennent que de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. La Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel nous donne de quoi? De l'intelligence. Job chapitre combien? On a lu ça au début. C'est l'Esprit, dans la réalité de l'homme, c'est quoi? C'est l'Esprit qui donne de quoi? De l'intelligence. L'Esprit de l'Éternel, lui, il savait déjà chercher quelqu'un qui a l'Esprit de l'Éternel chez vous. Mais chez eux, il y avait seulement des sorciers. Chez eux, il y avait toujours des satanistes. Mais l'Esprit de l'Éternel a touché Pharaon lui-même. Pharaon a dit à ces gens, vous là, avec tous vos diplômes là. Les choses de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui dépend des hommes. Ce n'est ni par la chair, ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Pour ta promotion, tu n'as pas besoin de l'argent. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Ce n'est pas par des diplômes. Ce n'est pas par des connaissances. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas par des connaissances, par des connexions. C'est par l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu sais chanter, par une bonne voix, par une bonne prédication. Mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et bien-aimé, ta vie, ton avenir, ça dépend de l'Esprit de l'Éternel en toi. Quelle relation as-tu avec l'Esprit de Dieu? Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu collabores avec Dieu. L'Esprit de l'Éternel va changer ta vie. Laisse à ce que l'Esprit de l'Éternel change ton identité. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Joseph a répondu à Pharaon, ce n'est pas moi qui le fera, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. Non, ce n'est pas ni par l'intelligence, ni par les diplômes, ni par ma taille, ni par mon âge, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Que l'Esprit de l'Éternel agisse à nous. Ta guérison ne dépend pas des médecins. Ce n'est pas par des diplômes de la médecine, c'est par l'Esprit de l'Éternel. S'il souffle en toi, tu deviens un être vivant. S'il souffle en toi, tu vas vivre. S'il souffle en toi, tu vas marcher. S'il souffle en toi, tu vas t'élever. S'il souffle en toi, tu vas évoluer. S'il souffle en toi, tu vas te marier. S'il souffle en toi, tu seras délivré. S'il souffle en toi, tu vas monter. S'il souffle en toi, tu seras embauché. Ce n'est pas parce que tu sais travailler. Ce n'est pas parce que tu connais ce qu'on t'a donné comme travail. Il y a des gens, tu arrives à l'emploi, tu ne connais même pas ce que tu vas faire. On commence à t'apprendre, on te paye pour la formation. Il y en a d'autres même, on les forme, mais ils n'arrivent pas, mais le boss ne fait pas les lâcher. Il dit, sois seulement là, je ferai avec toi. Tu te retrouves que non, ton travail, c'est le boss qui fait une grande partie. Toi, tu fais une petite partie. Mais avec le temps, comme le boss t'a tellement aimé, Dieu va te donner l'intelligence. Tu vas frapper même les plus intelligents. Les gens qui ont étudié ces choses-là, ils les connaissent au bout du doigt. Les boss ne les aiment pas. L'Esprit de l'Éternel dit que c'est mal lui, l'homme des situations. Dès que tu as appris, tu le maîtrises même plus que ceux qui ont étudié ça. Il y a d'autres gens aussi qui n'ont pas rien appris. On vient simplement lui dire qu'on va t'apprendre quelque chose. On commence à l'apprendre. L'Esprit de Dieu te fait comprendre même au-delà de ce qu'ils ont appris. Tu deviens même meilleur que ceux qui ont étudié ça. Laisse à ce que Dieu, l'Esprit de l'Éternel, te donne de l'intelligence, de comprendre des choses, de comprendre des mystères. Même dans le travail, on t'explique un peu seulement. Toi, tout de suite, tu te catches. Toi, tout de suite, tu prends. Toi, tout de suite, tu avances. Et le boss est fier de toi. Laisse à ce que tu apprennes et que tu dépasses même les attentes du chef et du roi. Joseph a épaté le roi. Il est allé au-delà. Que toi aussi, tu t'en ailles au-delà. Et que ton avenir puisse être distingué et qualifié. Que ton avenir soit distingué. Que tu ne sois pas le même. Que Dieu te qualifie. Que Dieu t'identifie. Et que Dieu te mette à part. Qu'il change ton nom. Parce que toi, tu es l'homme des situations. Tu es la femme des situations. Il va te faire le père des pharaons. Tu deviendras le père des grands. La Bible déclare ceci, pour terminer. De la poussière, il ramasse des faibles, des indigents, des pauvres. Pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Dieu a ramassé Joseph de la prison pour le faire asseoir avec le roi Pharaon. Il a fait parcourir tous les pays d'Égypte
et Joseph a commencé déjà à travailler. Joseph qui ne connaissait pas l'Égypte, il a eu des chars. Il était piéton, il a eu des chars. Les gens s'agenouillaient au devant de lui. On a dit qu'il n'y a personne qui va remuer sa main, ni son pied, au devant de qui? De Joseph. Joseph pouvait commencer à marcher comme un roi, plus qu'un roi, parce qu'il était devenu le père du roi. Il avait l'autorité plus que le roi. Le roi lui a donné même son anneau. Il a donné donc son pouvoir. Tu peux même décider, tu peux écrire des lettres à mon nom, tu peux signer à mon nom, parce qu'à l'époque, c'est la bague du roi qui était son sceau, qui était sa signature. Il pouvait commencer à signer au nom du roi. C'est qu'il avait la permission, plus que même le roi, parce que ce n'est plus le roi qui décidait, c'était lui qui décidait. Il avait maintenant la décision. S'il voulait même faire arrêter Potiphar, il allait le faire. S'il voulait faire arrêter la femme de Potiphar, il allait le faire. Mais Joseph n'a pas abusé de son pouvoir. Quand Dieu va t'élever, n'abuse pas de ton pouvoir. L'élévation s'en vient. Église parole devient internationale. À cause de son esprit, l'élévation s'en vient. Mais il ne faut pas abuser de cette élévation. Fais ça pour la gloire du Seigneur. Garde ça pour la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.